Et salut à tous, ici Davantaï. Eh oui, je suis toujours en vie et surtout je suis de retour. Alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles je n'ai pas fait de vidéo depuis un petit moment, des problèmes personnels sur lesquels je vais pas m'étendre, mais surtout de gros problèmes techniques, hein, genre Fraps qui a décidé d'arrêter de fonctionner pour des raisons que j'ignore toujours. Du coup j'ai changé de logiciel, parce que j'ai pas réussi à le refaire fonctionner, hein. Ma carte graphique a décidé de faire fuck, enfin là pareil, je sais absolument pas pourquoi il y a des jeux, elle veut bien, genre par exemple là, eSport, ça marche nickel, mais par exemple un jeu comme Minecraft, elle me regarde droit dans les yeux, elle m'envoie me faire mettre, donc voilà. Et là, bon, il y a encore quelques petits problèmes, hein, notamment le son du jeu que moi j'ai, mais que pour une raison qui m'est totalement inconnue. Le logiciel décide de pas prendre. Donc, bon, pour ce premier épisode, ce sera pas excessivement grave, mais je vais régler tout ça. Hein, vous en faites pas. Donc, on va commencer. Donc là, nous sommes sur Spore. Bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu, c'est une civilisation Earth, une simulation d'évolution sortie en 2008, sachant que j'ai l'extension qui va avec, qui est sortie l'année d'après, qui rajoute quelques petits trucs, vous verrez bien. Donc je vais vous faire un playthrough dessus, allant donc pour ceux qui connaissent de la phase cellule à la phase espace, que je ferai pas en entier parce que sinon j'aurais jamais fini, hein. Je ferai peut-être ouais, 5 ou 6 épisodes sur la phase espace, et puis histoire de montrer un maximum de trucs, et puis ce sera tout bon pour ça. Alors, vous voyez qu'il y a déjà plusieurs planètes que j'ai déjà faites. Alors, mis à part celle-là qui est ma partie personnelle, il faut savoir que c'est la quatrième fois que je réenregistre l'épisode. Pour des problèmes de saturation micro ou d'autres problèmes, enfin voilà. Alors on va commencer tout de suite. Celle-là m'a l'air bien. Ouais, elle m'a l'air bien. Donc vous voyez, il y a 5 phases, pour ceux qui connaissent pas toujours, la phase cellule, celle par laquelle on va commencer, et que je ferai en entier dans cet épisode. Normalement j'en ai pour moins d'une demi-heure. Parce que j'ai chronométré les fois d'avant, hein. J'en ai pour moins d'une demi-heure. Ensuite, la phase créature sur laquelle je vais m'attarder un petit peu parce que j'aime bien, ça fait partie de ma phase, en fait, c'est sûrement ma phase préférée en fait. La phase tribu qui est une sorte de STR où on doit soit détruire, soit s'allier avec d'autres tribus, bon, voilà. Civilisation, pareil, c'est un STR, où, voilà. Puis la phase espace, vous verrez bien, parce qu'il y a beaucoup de choses dans la phase espace, hein, ouais. Je pense que c'est la phase où je vais y rester le plus longtemps. D'autant plus que j'ai l'expansion Aventure Galactique qui rajoute encore une autre partie de gameplay, mais bon, sur ce on va commencer. Alors il faut savoir que je préfère généralement jouer carnivore, ou alors omnivore, donc je commence par un des deux puis je suis omnivore, sauf que là je vais jouer soit 100% carnivore, soit 100% omnivore, et je vais tirer ça au dé, paire, je fais herbivore, impair carnivore. 3, impair, carnivore, moi ça me va. Aucun thème ça, je m'en fous. Facile, on va jouer en facile, pourquoi? Parce que je fais ça à la base pour me détendre, hein, puis... Parce que j'ai déjà réussi à mourir en facile. Voilà. Nom de la planète, je m'en fous aussi. Et sur ce, on commence. Alors du coup, sur cette cinématique, vous n'allez pas voir le son. Eh oui. Donc je vais en profiter pour vous parler des changements sur la chaîne, parce que bon, je suis de retour, mais j'ai décidé, pour des raisons purement personnelles et surtout pratiques, que tout ce que j'ai fait tout ce que j'ai fait avant, en fait, ça passe à travers toutes les séries que j'avais en cours. Je les continuerai pas, pour une bonne raison que ça fait trop longtemps que je me suis parmi. Et que j'ai pas la motive, hein, honnêtement. Là, je vous le cacherai pas. Je laisserai quand même les vidéos, hein, histoire de. Moi, ça me fait plaisir. Enfin, des fois, je les regarde et je dis, ah ouais, donc je faisais ça avant. Bon. Donc voilà. On va commencer. Enfin, sur. Là, je vais me lancer sur plusieurs séries. Alors, là, les didacticiels. Faut que je réapprenne à parler aussi, ce serait l'idée. Je vais les passer parce que je connais le jeu. Donc, si vous voulez absolument les lire, deux choses, enfin vous, soit vous achetez le jeu, soit vous mettez pause sur YouTube. Hein, voilà. Donc, quatre séries, disais-je, notamment Spore, là que je commence, je fais le premier épisode, là maintenant, tout de suite, devant vos yeux ébahis. Il y aura, alors à la base, je voulais faire Age of Empires 2, sauf que sur mon PC,
les textures de terrain sont dégueulasses. Pour là encore, une raison que j'ignore, il y a beaucoup de choses que j'ignore en fait qui se passent sur mon PC. Du coup, je vais faire un retour également sur Age of Mythology. Parce que j'aime ce jeu, hein, voilà. Il y aura également Game Dev Tycoon, qui, bon, est sorti depuis un petit moment, il y a déjà plein de vidéos dessus, mais j'aime bien ce jeu, donc je vais y aller. Et la quatrième, si j'arrive par contre là à faire fonctionner le logiciel avec l'émulateur de jeu, parce que c'est un vieux jeu, je vais faire Oddworld, l'Odyssée d'Abe. Et si, bah déjà si j'arrive à tourner tout ça, et que les dieux du skill sont avec moi, je ferai la suite, bien sûr, Oddworld, l'Exode d'Abe, qui est un jeu qui a grandement marqué mon enfance, hein. J'ai passé des heures entières dessus. Donc voilà. Ça, c'était pour les changements. Ah, non, si j'oublie des choses en cours de route, ça va plus faire. En termes de changement également, le nombre de vidéos par semaine va passer de 3, que ce que je faisais avant, à 2. Bon, voilà. Ça change pas grand-chose, mais voilà, fallait que je le dise. Donc, pour en revenir à Spaor, parce que je vous raconte ma vie et je joue en même temps. excusez-moi, je m'étouffe avec de l'air. Voilà. Donc, Spaor, le but de la phase cellule que je fais maintenant, c'est de manger. Manger pour grossir, voilà, comme vous avez pu le voir depuis le début, pour grossir et choper des points d'ADN. Des points d'ADN qui me serviront à faire évoluer ma créature et à faire en sorte qu'elle soit plus forte, qu'elle ait de nouvelles capacités et qu'elle se fasse moins bouffer la gueule. Hein. Donc là, on va appeler notre moitié, donc nous allons nous reproduire, et oui, pour justement pouvoir évoluer. Alors, voilà. L'atelier des cellules, hop là. Alors, l'atelier des cellules. Alors, vous voyez que en phase cellule, on a plusieurs éléments, parce que c'est comme ça qu'ils les appellent. Les bouches, là. Alors là, on a ce qu'on appelle le clou. Il y a d'autres éléments, comme par exemple la glande poison et l'électrode. Enfin, j'appelle ça l'électrode, mais c'est pour électrocuter ses adversaires. Je sais plus dans quel ordre, par contre, ils sont. Et les cellules de voiture, des nageoires. Et les hadrons. Et là, la bouche pour les herbivores. Omnivores. Donc, je suis un carnivore. Donc, un prédateur. Donc, des clous. Parce que j'aime les clous. On va également essayer de changer de forme. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une tête plus grosse. Ça, là, ça, hop. Quoique non, la tête est plus grosse que l'arrière, ce sera mieux. Tac. Hop là, les yeux là. Ouais. Ça, on va le grossir. Non. Ça, on va grossir un peu la bouche. Hop là, ça, on va essayer de placer de manière intelligente. Voilà. Alors, sur un des tests, j'ai fait la connerie de les mettre. Non. Non, pas comme ça. Non plus, là, comme ça. Chose à ne pas faire pour la simple bonne raison qu'après, bah, on peut plus manger. Parce qu'en fait, il faut savoir que la hitbox des clous est plus grosse que celle de la bouche. Ce qui fait qu'en fait, les bouillants ont tendance à taper sur les clous et pas rentrer dans la bouche. Et du coup, on a l'air relativement très très con. Du coup, on va les mettre légèrement comme ça, histoire que je puisse manger, quand même. Et bah, c'est tout. Non, je vais quand même changer de couleur parce que vert pour un carnivore, c'est pas terrible. Et étant donné que nous sommes trop dark, noir. Ouais. Bon. Toi comme ça donne quoi? Putain, je pourrais presque te faire un zèbre avec. Ouais, non, c'est moche. Là. Non. Non. Je prends toujours celui-là, enfin sur les. Enfin, toujours non. Sur les trois tests que j'ai fait avant, j'ai pris celui-là. Qui me semble être, j'allais dire le mieux, mais en fait, c'est moche. En fait, je fais des choses moches. Ouais, allez, celui-là, il est bien. J'aime bien. Ok. Alors, ça, c'est purement esthétique. Voilà. Ça,
Ça sert à rien, hein. Honnêtement, ça sert à rien, parce que vous voyez, en fait, les flagelles, ouais, ça sert à les flagelles, ça influe là-dessus, sauf que vous voyez que je fasse ça ou ça, ça change rien, voilà. C'est comme je disais, esthétique. Et d'ailleurs, je vais les mettre comme ça plutôt. Voilà. Alors ensuite, nom de la cellule. Trouver un nom. Alors. Je suis un prédateur. Donc. Ouais. On va faire style qu'on sait parler latin alors que ça veut probablement certainement rien dire. Alors, je sais absolument pas écrire, hein, ça, vous en rendrez vite compte. Donc, notre cellule est à présent le Predatorus archaïque qui évoluera. Donc, ça, je vais le garder un petit moment, et en fait, c'est ça qui changera. Tac, on est go, on y retourne. Hop là. Alors, ouais, c'est pas si dégueu, hein, j'aime bien. Donc, le but de phase cellule, voilà, manger, évoluer. Sachant que pour évoluer, il faut les points d'ADN. Oui, ça c'est oui. Mais il faut également les éléments qu'on n'a pas débloqués. Et pour débloquer ces éléments, dans mon cas, vu que je suis carnivore, il faut que je chasse les créatures qui l'ont. Par exemple, ça, elle a les hadrons. Je l'ai buté et j'ai chopé les hadrons. Donc, l'hadron qui coûte 15, si je dis pas de la merde. Mais enfin, si je dois être amené à les mettre, je préférais voilà, avoir les signes du bratil avant. Pour la simple raison que les hadrons, comment dire, si on les a et qu'on n'a pas les signes du bratil, on a littéralement l'impression de piloter une brique. Et c'est très chiant. Donc là, vous voyez, là, je fais le plein d'éléments. J'ai chopé la. Ah non, je l'ai pas chopé, je l'ai pas chopé. Voilà, par toi. Maintenant, on va attraper ça. Qui est la glande poison, qui est excessivement intéressante si on veut chasser. Voilà, simplement donc en fait toute cellule qui est dans le nuage de poison qu'on a du coup, enfin que la glande libère, prend des dégâts. Et donc du coup, ben t'as juste à lui rentrer dedans et tu la bouffes. Donc là, vu que je rame un petit peu du cul, reproduction, surtout que j'ai pas mal de points. Écoute, pourquoi c'est rouge là? Ouais. Reproduction, évolution. Ça fait un slogan pas mal, ça. Reproduction, évolution. Bon. Alors, ce que je vais prendre, ouais, je vais prendre les 6 du ratil. Alors ça, je vais les mettre. Bon bah du coup là, à la base je voulais les mettre ici, mais en fait non. Et je vais mettre ça. Alors les 6 du ratil, ça donne ça. Virage éclair, qui fait que je suis beaucoup plus maniable en fait. Voilà, ouais, par contre, en fait, c'est cher ou je suis pauvre? Non, je suis pauvre, c'est tout. Prochain achat, les glands de poison, que je vais mettre ouais, sur un côté, je pense, et je terminerai par le hadron. Parce que les glands électriques, honnêtement, enfin, déjà, je l'ai pas, mais surtout, j'ai jamais vu l'utilité que ça avait, en fait. Non, 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 bats-toi comme un homme, voilà, mange-le. Hop là. Alors vous voyez qu'à chaque fois qu'on grossit, on change de stade de profondeur. Oula, là c'est la guerre, là c'est Bagdad. Non, 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 ne te barre pas, te barre pas, te barre pas. Reviens, reviens ici. Je veux ta bouche. Dis comme ça fait bizarre, mais. Voilà. Alors, je la veux, mais ça va me servir relativement à rien sur cette partie parce que j'ai dit que je la jouais 100% carnivore. C'est juste pour pouvoir me dire que c'est bon, je l'ai. Et il me manque d'ailleurs plus qu'un élément qui est la glande électrique que je peux pas. Oh, putain, je me fais torpiller. Que je peux pas débloquer. Alors ces monstres-là, enfin ces monstres, ces cellules-là plutôt, c'est l'équivalent des boss. Ah oh, putain, l'enculé! L'enculé! Vas-y, meurs. Meurs et laisse-moi me repaître de ta chair pour me soigner. Littéralement, parce que c'est comme ça qu'on soigne. Je disais les grosses cellules en fait. On masse point de vie, c'est l'équivalent des boss, hein, voilà. Et on peut les buter, mais on peut pas les manger.
fait que bah ça sert relativement à rien en fait. J'ai essayé à plusieurs reprises. On peut les tuer, mais pas les manger. Voilà. Donc nous allons grossir. Vas-y, mange ce bout de viande. Voilà. Hop là. Oula, lui, il s'appelle comment lui? Parce que, il est moche, hein. Joe Head, la tête mâchoire. Oui, parce que je traduis également les noms propres. Alors, 15. Je vais prendre les glands de poison plutôt que les hadrons. Pourquoi? Parce que les glands de poison, en fait, ça permet de compenser le fait que je rampe du cul, en fait. Pour la simple raison que j'ai juste à me retourner, le mec est dans le poison, et généralement, soit il décède, soit il se barre. Hop là, donc la glande poison que je vais mettre là. Nickel. Hop là, par contre, ça, je vais le mettre là. Et je vais le grossir. Ça, pareil. Voilà, ça sert à rien. Ça, par contre, je vais le mettre un petit peu plus petite. Là. Voilà. Elle sent un peu plus droite que tout à l'heure. Hein. Hop là. Ah merde, j'ai oublié de changer de nom la dernière fois. Fuc. Fuc, fuc, fuc. Comment je vais pouvoir l'appeler? Ah si, c'est bon. Là, je vais rajouter des glands de poison, donc ce sera un Predatorus. Venime. Voilà. Parce qu'avec un X, je sais absolument pas ce qu'il doit y être. Mais je le mets quand même. Voilà. Hop là, et vous voyez que tout autour de moi, il y a. Enfin tout autour. Surtout derrière moi, il y a un nuage de poison. Voilà. Que je coupe parce que eux, ils ont la glande électrique. Voilà. En fait, la glande électrique, elle fait des dégâts, elle permet de stun les adversaires. Je la prends juste histoire de me dire, ah, j'ai tous les éléments, mais enfin, après, je vais pas l'utiliser parce que me sert pas, en fait. C'est surtout ça. Alors, faut faire gaffe, c'est que là, vous voyez que la glande est chargée, en fait. Donc, faut pas vraiment les approcher. Ah oui, c'est voilà. Je nage à contre-courant, c'est pour ça que je rame un peu du fion. Hop. Par contre, je commence légèrement à ressembler un petit peu à rien. Je vais essayer de réarranger tout ça. Parce que là, on dirait la cellule de base sur laquelle s'est greffé d'autres trucs sans aucune logique. Bon, en même temps, moi, la logique. Voilà, donc on sort des profondeurs. Là, on remonte à chaque fois vers la surface, à chaque fois qu'on change de niveau de profondeur. Ah, en fait, cette option de coloriage, enfin, les motifs là sont pas si dégueu que ça, c'est cool. Là, alors oui, généralement la phase cellule, j'ai tendance à la rusher. Une fois que j'ai tous les éléments, tu manges, t'évolues, et puis c'est marre, quoi. Enfin, tu manges, t'évolues, tu donnes la forme un peu que tu veux, et puis généralement ça va vite. Hein. Hop là, allez, le courant qui m'aide. Voilà. Hop là. Ah oui, pour les hadrons, c'est 15. D'où je prends des dégâts? Qu'est-ce qui me met des dégâts? Putain, je me fais victimiser par un petit bout de merde là. Non, 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 tu. Non, non, mais il devait mourir. Oh, le Jawhead. Eh, je suis là. Non, viens. Viens par là. Allez, viens. D'accord. Cette cellule s'est littéralement suicidée sur moi. Elle en avait marre de la vie. Je sais pas, ma tête devait lui revenir, alors on s'est dit pourquoi je me suiciderais pas sur cette charmante créature. Ça fait comment, hein? Squiggly. Oui, je regarde les noms des cellules parce que c'est quelque chose que d'habitude je fais jamais. Et parfois, je peux tomber sur des trucs pas mal. Par contre, c'est moi ou elle me trace? Putain, mais j'arrive pas à la rattraper, c'est quoi ce bordel? Bah si, quand même! Putain! Le truc, quoi, c'est il fait un dixième de ma taille, il arrive à me semer. Oula! Le méga mouth, la méga bouche. Note à soi-même de ne pas l'emmerder tout de suite, celle-là. Hop là, j'ai assez. Le hadron. Le hadron, qui va me permettre de me propulser, d'aller énormément. Oh, tu me laisses me reproduire, oui? Hein? Non mais oh. Et il se barre en mode j'en ai rien à foutre, c'est pas moi. Ce mec ne nous respecte tellement pas. Enfin, cette cellule ne nous respecte tellement pas. Ah, ah merde, putain, c'était plus cher. Fuck. Bon, mais il ne s'est rien passé. Je ne me suis pas reproduit, c'est pas vrai. Ou alors si, mais purement gratuitement. Voilà. C'est ça, en fait, ma créature voulait troncher, et puis il s'est dit pourquoi pas, et puis voilà. Ça servait à rien, mais. Hop là.
Oula, Snorf. Ouais, là d'où je viens, ça ressemble vachement à un calamar, mais allez, le mât. Bon, comme quoi, des fois, sur les noms, ils sont pas foulés, hein. Comment t'appelles-tu? Je suis le mât. Ah, d'accord. Oui. Oui, si tu veux. Hop là. Ah, putain, j'aimerais, en fait, avoir pile ce qu'il faut pour évoluer avant que la barre soit pleine, parce qu'en fait, une fois que la barre est pleine, c'est la fin de la phase cellule, hein. J'ai oublié de le préciser. Ah, putain, ça va être pile. Ça va être pile. Je le sens tellement comme ça. Allez, le dernier bout de viande. Le bout de viande de la destinée. Non, 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 non. Non, c'est bon. C'était mon bout de viande. Voilà, bon, on m'emmerde pas, putain. Oh, tu peux te calmer. Merci. Hop là. C'était mon bout de viande. T'as un pile, hein. Hop là. Bon, je sais, je peux encore évoluer une fois que la barre est pleine, mais hop là. Alors, ce sera la dernière évolution en phase cellule, hein. Du coup, genre, le hadron que je lui mets sur le cul. Voilà. Ce qui fait que je suis devenu un prédatorius vif. Voilà. Et je change de nom pour une durée très approximative d'environ 30 à 40 secondes pour la simple bonne raison que je bouffe encore un truc et c'est bon. Mais vous voyez que là, par exemple, je suis devenu beaucoup plus rapide grâce à ce hadron. Ah! Hop là, fin de la phase cellule. Non, 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 je me suis tapé un vieux coup de lag. Ça m'a fait dévier. Hop là, et ça y est, j'ai mangé suffisamment de trucs pour avoir ce qu'on appelle un cerveau. Voilà. Félicitations, vous êtes en voie, sur la voie de l'intelligence. J'allais dire en voie d'intelligence. Ça, je m'en fous. Je m'en fous glorieusement. Des jambes et la terre ferme. Et ben, on y va. Alors, l'historique, ça permet de voir littéralement l'alignement de la créature, et donc du coup, les fins de la créature là, sur le coup de la cellule, mais également de voir les compétences qu'on débloque. Par exemple, là, je suis un carnivore, c'est très étonnant, ce qui fait que en phase, la phase d'après, donc la phase créature, je vais avoir ça, le super rugissement qui me permet d'effrayer tout un nid de créatures d'une race différente à la mienne. Alors, ça sert aussi, enfin, en fin de phase cellule, ça sert pas à grand chose. Fin de phase créature peut-être, mais franchement, quand vous avez atteint la fin, enfin la fin, quand vous êtes bien avancé dans la fin, dans la phase d'espace et que vous rejetez un petit coup d'œil et que vous vous dites que vous êtes parti de ça, de ce truc-là, voilà, sorti de l'historique, et que vous arrivez, que vous dominez une grosse partie du putain de l'univers, vous vous dites ah ouais, quand même. Enfin, moi, ça me fait bizarre à chaque fois. Donc, eh ben on y va. Hop là. Et on va passer en phase créature. Et on va arrêter la vidéo une fois la phase créature un petit peu commencée. Alors, je commence, j'ai 50 points d'ADN. Puf, puf, puf. Alors ça me sert ou pas? Ouais, donc les glands de poison, je vais les garder. Alors, parce que ça c'est un coût de 50. Ah, c'est cher. Oh. Ce que je vais faire, ce que je vais faire, ce que je vais faire. Hop là. Je vais faire un début de queue. Ok. Ça, je vais me laisser en arrière. D'ailleurs, je vais. Rotation un petit peu. Ouais. Voilà. Et je vais réduire ça histoire que ça fasse vraiment une queue en fait. Tac, hop là. Voilà, partant de ce point. Putain, ça, en fait, ça lui. Ça y est, je les mets là, il a des boobs maintenant. Voilà, non, je vais les laisser. J'ai aucune idée d'où je vais les mettre. C'est pas. Si je vais les mettre plus haut, du coup, ça, on va pouvoir dire que ça avance et ça va tège. Oh mon dieu, ça tège. Et ma six jambes. En fait, non, ça a pas tèche, ça a évolué, c'est devenu des jambes. Eh, n'empêche, attends, attends. Ça fait presque des cornes, ça en fait. Bon, attends, attends. Je suis sûr que je peux trouver. Je peux faire en sorte que ça rentre pas si mal. Bon, ça va disparaître. Ah, quoique. Est-ce que je fais ça en élément de déco?
Non, 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 non. Ça aurait pu. Mais dans ma tête, ça va devenir des bras. Voilà. Ensuite, là, la bouche, on va la baisser un peu. Ça, du coup, on va pouvoir mettre ça là. Hop là. Et on va y grossir un peu. Ça. Alors. J'avais entendu quelque part que les prédateurs avaient généralement les yeux de face pour mieux pouvoir poursuivre leur proie et que les proies justement avaient les yeux plus sur le côté pour avoir une vue d'ensemble de terrain et pouvoir fuir plus facilement. Étant donné que je suis un prédateur, les yeux en face. Voilà. Non mais arrête de me regarder, moi je veux juste déplacer ça. Si tu me regardes, ça va le faire. Voilà, ça fait des bras avec des moignons. C'est... Voilà. Par contre, ça, j'ai... Si je tège... Ok, ça fait rien. D'accord. Donc, non, en fait, ce que je vais faire, c'est que ça... Ah... Non, je sais. Je sais, je sais. C'est bon. Je vois la créature. Ça, je vais le garder, je vais le changer après. Ça, du coup, je vais pouvoir le déplacer ailleurs. Bah, ça... Attendez, par contre. Ouais. Niveau alignement des jambes, ça va. Je vais juste... Tac. Faire des jambes un peu plus massives. Voilà, je vais voir ce que c'est. Alors ensuite les options de coloriage vont changer là. Parce que là vous voyez qu'il est tout noir et c'est beau, oui, lui. Il est luisant. Oh. Du coup, qu'est-ce que je vais prendre qui serait pas trop moche? Alors j'avais pris ça deux fois. Que je vais voir ailleurs. Enfin, je vais voir les autres trucs. Ça fait poil. Alors, comment ça rend? Ah, si je change la couleur, ça peut être pas être trop dégueu. Le fait est que je peux. Ah, si, voilà, si, je peux changer la couleur. Alors, base, qu'est-ce que c'est? Alors, on va voir. Parce que c'est une vraie question que je me pose en fait. Ok, alors. Un peu plus foncé peut-être. Un peu plus comme ça. Ouais. On va voir avec le reste. Intermédiaire. Alors intermédiaire. Qu'est-ce que c'est? Alors je vais voir avec un truc un peu plus orangé. Ok, ça change mes couilles, d'accord? Et final, je suppose que c'est le reste là. Attendez qu'il a changé complètement de couleur sans aucune forme de cohérence. Voilà, je vais garder un peu de noir quand même. Ouais, ça... C'est pas mal, hein. Moi j'aime bien. C'est... Ouais, allez, je garde. Je garde, je garde. Hop là, donc le Predatorus vif est devenu un Predatorus... terrestre. Voilà. Hop là, et on l'envoie sur la... Non, je vais descendre ça un peu. Non, non, arrête de bouger, bouge plus. Ah non, merde, là, voilà, bouge plus. Je vais juste descendre ça un petit peu, voilà. Mieux. Avec l'option de coloriage, ça donne quoi? Ouais. Allez, on garde. Hop là. Hop là, donc là on a le temps de chargement où en bas on va voir les créatures qu'il est possible de rencontrer. Généralement faites par l'ordi. Donc là vous voyez si c'est Maxi, ça veut dire que ça a été fait par l'ordi. What? Le truc, putain. Magique. J'adorais. Et donc nous voilà sortant de la flotte. Avec nos jambes qui ont poussé en... Attends, je vais juste voir l'historique parce que je me souviens de la date. Quand on a fini la phase cellule, ça faisait 1 milliard 900 millions. Je vais voir si ça a changé, si ça a pas changé, si ça a pas changé, je rigole. Parce que ça veut dire que les trucs, ils ont poussé, mais direct, quoi. Voilà, sur la terre ferme, barre de progression, je sais, objectif, je connais, voilà. Non, ça va, ils ont changé. Parce que ça, c'est un truc où j'avais jamais fait gaffe, en fait, si ça changeait ou pas. Et ouais, si c'est bon. Du coup, ça fait un sens le fait qu'il y a les jambes qui poussent, tout ça.
Donc, d'accord, moi j'arrive sur la terre ferme, je fais accueillir par quoi un cadavre. Et comme toute personne sensée, je le mange. Le cadavre qui s'appelle Mort de Rire. Je mange un MDR, voilà. Et je le mange jusqu'au bout. Jusqu'à ce que son cadavre disparaisse. Voilà. Parce qu'en fait, le truc chiant, c'est que quand vous avez un cadavre qui est à côté de votre nid, si vous ne pouvez pas disparaître, il y a un bruit de mouche ultra chiant qui est là. Je peux pas sauter. Putain, je peux pas sauter. Putain, chier. Donc voilà. La phase créature, vite fait. Hein, le but, ramasser ces trucs-là, qui nous permettent d'avoir des éléments. Voilà, là, par exemple, je viens de gagner une bauche. Le cri d'amour, donc ça c'est pareil, c'est pour se reproduire, c'est comme la phase cellule. On peut également, pour gagner des points d'ADN plus facilement, rencontrer les voisins. Par exemple, là, lui qui est venu à ma rencontre, qui s'appelle le Blatardo. Voilà, le Blatardé, parce qu'il a un regard con. Voilà. Alors, avec les autres races, j'ai plusieurs interactions possibles. Soit je leur poutre allègrement sur la gueule pour les faire disparaître enfin pour faire en sorte que leur espèce soit éteinte. Et accessoirement pour pouvoir bouffer. Hein, parce que je rappelle que je suis carnivore. Ça, et sinon, je peux décider de m'en faire des alliés. Hein, honnêtement, je vais éradiquer des espèces. Mais j'ai un problème avec les espèces qui sont toutes mignonnes, genre par exemple le blatardé, enfin que je trouve toute mignonne, bon en tout cas. Je me lance un challenge, je vais m'attaquer aux espèces qui sont, enfin uniquement aux espèces qui sont agressives envers moi. Vous verrez bien ce que ça fait quand elles le sont. Sur ce, maintenant que les règles sont posées, tout ça, que j'ai fait toutes les annonces que je devais faire, voilà. Il est temps de mettre enfin de finir cette vidéo. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, que vous êtes content que je sois de retour, ou simplement que vous aimez sport, hein, vous pouvez mettre un pouce vert, hein, moi ça me fait plaisir. N'hésitez pas à partager aussi la vidéo, hein, voilà, et surtout commenter pour voir en fait les mecs qui me nourrissent. Les mecs qui me nourrissent quoi, ils font popper des cadavres à l'infini pour que je puisse manger. C'est cool, moi j'aime bien. Donc je disais que n'hésitez pas à commenter pour que je puisse savoir ce que vous pensez de ce que je fais, hein. Ça c'est toujours. Enfin moi ça me fait toujours plaisir déjà parce que je sens que du coup ce que je fais vous intéresse déjà. Et surtout ça me permet de voir des conseils sur ce que je dois améliorer ou pas. C'est toujours agréable d'avoir des commentaires constructifs. Et j'insiste sur le mot constructif. Bon. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Salut!